Giordignano, avec ses 1900 habitants, fait partie de l'Union des communes des Terres d'Orient. La ville est située dans le territoire salentin, à quelques kilomètres d'Otrante, sur le versant centro-oriental de la province de Lecce. Définie à juste titre comme le jardin mégalithique d'Italie, la ville de Giordignano garde un important patrimoine historique monumental. Ce patrimoine remonte à l'âge des métaux et il est visible dans la présence de nombreux dolmens et menhirs qui enrichissent le paysage rupestre. Le territoire garde soigneusement les antiques vestiges de la civilisation agricole et pastorale du Salento. Et la campagne offre des témoignages de la florissante industrie agricole. Elle est toujours luxuriante dans les oliveraies bien soignées et dans les traditionnelles architectures rurales comme les paillards et les murets de pierre sèche qui décorent et caractérisent le paysage environnant. La brise parfumée du proche canal d'Otrante souffle sur les verdoyantes campagnes dans lesquelles l'olivier prospère et forme des vastes forêts qui s'étendent dans tous les territoires environnants. Pendant des siècles, la production olicole a soutenu l'économie de Giordignano et l'huile produite à partir des olives locales occupe aujourd'hui encore une place importante dans le secteur agroalimentaire salentin, notamment pour sa pureté et délicatesse. Les fruits de la campagne abondent dans la tradition culinaire de Giordignano, qui, avec passion et recherche, revit dans les services de restauration qui animent l'ancien bourg. La gastronomie traditionnelle devient protagoniste dans les célèbres tables de Saint-Joseph, une ancienne coutume du territoire. En effet, chaque 19 mars, lors de la fête du sang, la communauté de Giordignano a l'habitude de dresser la table avec des plats sains et délicieux, dont toute la collectivité bénéficie. Autrefois, les tables de Saint-Joseph représentaient un moment de partage chrétien et d'accueil convivial et charité envers les plus démunis. L'anthropisation du territoire remonte à des temps très anciens, même si les premières sources archivistiques concernant Giordignano remontent à la domination normande souabe, quand le fief a été donné par Tancredi d'Altavilla à Niccolò de Noa. On peut admirer l'histoire de la communauté de Giordignano en se promenant dans les petites rues de l'ancien bourg. Ici, on redécouvre le charme de l'authenticité salentine, où il est facile de rester enchanté devant les couleurs chaudes des bâtiments qui se détachent sur les blés du ciel. Le passé orageux de la frontière salentine, lors des attaques et des incursions turco-ottomanes, est visible dans les différents bâtiments qui se dressent dans les centres historiques. C'est le cas de Palais Villei, un édifice avec une structure ornée de tours datant du XVIe siècle et un puissant portail en bossage. L'histoire de Giordignano est visible aux yeux des visiteurs à travers des magnifiques décorations historiques artistiques qui montrent l'important passé de la culture italo-grecque et de la tradition religieuse aujourd'hui encore présente dans la vie communautaire. Visiter Giordignano, c'est comme se promener dans les jardins de la mémoire millénaire du Salento, avec une grande sensibilité pour la cliente touristique et la valorisation culturelle.
le cœur du centre historique de Giordignano s'organise autour de l'église paroissiale et du palais baronial de la ville. Un éventail de maisons et de palais qui entourent la place Municipio, où on peut admirer la flèche baroque de San Rocco, érigée au centre de la ville en 1772 par la communauté des Giordignano, qui a voulu ainsi honorer les saints patrons. Les petites rues du centre historique se ramifient autour de la place, liée au sein duquel le principal axe routier de la ville se rejoignent. La physionomie de l'architecture urbaine de Giordignano est dominée par la présence d'immeubles à un étage, mais on peut noter aussi d'importants exemples de palais, fruits de la rénovation urbaine et de la croissance économique du XVIIIe siècle. La place est caractérisée par la façade de l'église paroissiale, édifiée au cours du XVIIIe siècle. Les trois statues qui surplombent les portails d'entrée représentent Jésus-Christ avec les prophètes Élie et Moïse, dans le contexte de la transfiguration de Jésus. Il illustre la consécration de l'église mère de Giordignano. Les niches latérales accueillent les effigies des deux évêques, Saint Augustin et Saint Ambroise. L'intérieur de l'édifice présente un plan à croix latine. Des stucs opulents et des couleurs vivides en exaltent et enrichissent la structure, symbole de la dévotion des Giordignano. À quelques minutes du centre historique, il est possible d'admirer le caractéristique Trapitello del Duca, un moulin à l'huile souterrain réalisé en 1518 et fonctionnant jusqu'à les années 1940. À l'intérieur, il y a les équipements originels utilisés autrefois pour la production de l'huile, précieux produit de l'économie féodale salentine. Les niches sur les murs accueillaient autrefois les olives, déchargées par les travailleurs à travers des ouvertures positionnées en haut. Avant le pressage, les olives étaient conservées et reparties selon leur provenance dans les caractéristiques réservoirs en pierre. En visitant le moulin à l'huile, on peut revivre la vie de cette ancienne structure, les ordres du chef, les voix des travailleurs, le hennissement des animaux et le grincement des pressoirs. Le palais baronial de Giordignano représente l'héritage du pouvoir aristocratique de la famille Alfarano Capece, seigneur du lieu à partir du XVIIIe siècle jusqu'à l'éversion du système féodal. La structure se dresse au sud du bourg ancien et l'accès est garanti par un caractéristique portail en bossage situé dans la place Municipio au cœur de la ville. L'histoire de la structure commence au XVe siècle, lorsqu'elle était constituée par une tour datant du même siècle, encore visible sur les côtés sud-est du bâtiment. Après les tragiques épisodes de 1480 et l'agression turco-ottomane de Otrante et des fiefs salentins environnants
le bâtiment a subi d'importantes modifications structurelles afin de mieux adapter les systèmes défensifs. Mais c'est au XVIIe siècle que la structure militaire devient une résidence nobiliaire, comme pour la plupart des bâtiments défensifs en terre de Trente. C'est à cette époque que remonte la construction de l'entrée monumentale, décorée par une jolie voûte en lunettes. Grâce à la famille Alfarano Capece, le bâtiment a été enrichi d'éléments nobiliaires importants, comme la galerie du palais, adornée avec des fresques récemment finies. Un autre symbole de l'affinement structurel est le balcon monumental qui décore la façade extérieure. Appartenant au bien valorisé par l'association SAC Porta d'Oriente, le palais a été récemment rénové grâce à l'engagement de l'administration communale et aujourd'hui il s'affirme comme important conteneur culturel de la communauté des Giurdignano. Giurdignano présente beaucoup de témoignages concernant le monde italo-grec salentin, culture qui a influencé pendant des siècles la tradition artistique, linguistique et religieuse de la terre d'Otrante. L'héritage du monachisme oriental est visible dans l'abbaye des Finiles sans porte, située dans la campagne orientale de Giurdignano. Les restes remontent au Haut Moyen-Âge et sont attribuables à une fondation monastique italo-grecque, datant d'après certains historiens du 5e-16e siècle. Au cours du temps, la structure a subi des modifications substantielles, notamment pendant la domination normande. Selon la tradition, l'église était intitulée aux saints Côme et Damien, hypothèse soutenue par l'ancienne présence de fresques représentant le dessin médecin, comme l'atteste l'archevêque de Trente dans sa visite pastorale en 1608. Un autre joyau du patrimoine culturel de Giurdignano est la crypte de San Salvatore, creusée dans un banc de tuf dans la périphérie méridionale du centre historique. Il s'agit d'un bâtiment religieux byzantin qui s'articule dans les sous-sols en trois nefs et trois absides, subdivisés par le caractéristique bema, des typologies architectoniques du 8e siècle. À l'intérieur, on peut admirer différents fragments de fresques, des peintures qui autrefois enrichissaient les murs de l'église. Magnifiques sont les voûtes, gravées dans la pierre vivante et riches en charme antique. La crypte de San Paolo combine le monde mégalithique avec la dévotion religieuse de Giurdignano. Creusée dans un banc de roches, ainsi que le monime menhir, la crypte hypogée montre une fresque de Saint Paul, sent invoquée contre les morsures d'animaux venimeux. Ce n'est pas un hasard si l'image de l'apôtre est flanquée d'une image d'une araignée occupée à tisser la toile, un témoignage de la relation qui lie Saint Paul au typique phénomène du tarantisme.
la ville de Giudignano est connue dans le monde culturel et touristique des Puglia comme les jardins mégalithiques d'Italie. En effet, le territoire de Giudignano présente de nombreux menhirs et dolmens qui remontent à l'âge des métaux et sont situés dans la ville et dans la campagne environnante. L'administration communale a proposé différents parcours pour la valorisation du patrimoine mégalithique. Très intéressant est l'itinéraire qui prévoit comme première étape les deux menhirs jumeaux situés dans la place Biconuovo. Le premier menhir a une structure octogonale et une hauteur de 2,50 m. L'autre menhir a une base quadrangulaire et une hauteur de 2,40 m. Près du Trapitello del Duca, il est possible de poursuivre le chemin pour admirer le majestueux menhir Vicinanze 1, appelé dans cette manière pour la préexistence d'un ancien groupement de maisons situé dans le territoire. Le menhir dépasse 3 mètres de hauteur et probablement, autrefois, il a été christianisé et utilisé pour prier. Dans la même zone, on peut admirer aussi le menhir Vicinanze 2, caractérisé par une base rocheuse et une hauteur de 2,5 m. En poursuivant vers la campagne, on rencontre le dolmen Quattro Macine, ou dolmen stabile, situé à proximité des confins de Giudignano e Giugianello. Découvert par Pasquale Maggiulli en 1893, le monument dépasse 1 mètre de hauteur, tandis qu'il a une largeur de 2,60 m et une profondeur de 1,80 m. C'est très suggestif de parcourir l'itinéraire mégalithique après le coucher du soleil, grâce à l'illumination présente sur une bonne partie du trajet. Le scénario mégalithique est très riche et il permet de rappeler une civilisation mystérieuse, évoluée et riche en charme. Un peuple qui possédait des connaissances technologiques particulières et une organisation sociale qui a permis la réalisation d'œuvres majestueuses qui sont parvenues jusqu'à nos jours.